Alors, chers amis, tout d'abord, merci à vous tous et à toutes d'être là en si grand nombre. Une salle chauffée à bloc, pleine à craquer, il y a même pas assez de chaises. C'est ce qu'on appelle un heureux problème. C'est un problème pareil, mais c'est un heureux problème. Néanmoins, je voudrais juste régler la question de mon nom sur la pancarte. Là, mon ancien chef, mon chef d'époque, de l'époque, M. Duceppe, il essaie de revenir sur ce qu'il avait dit en disant que mon nom va être trop long partout. Dans le temps, je me souviens, en 2011, il m'avait demandé une seule chose, c'était de ne pas me présenter dans Haute-Gaspésie, Lamitis, Matane, Matapédia. Allez, finalement, c'est un des quatre qu'on a gagné cette année-là. Donc, il me disait que ça allait lui coûter bien trop cher de pancarte, mais là, comme Daniel le disait tout à l'heure, Eve-Marie Taitilac a cassé la glace pour moi. Je te remercie, Eve-Marie, d'être là. Puis Saint-Hyacinthe Acton, c'est pas si pire, on s'entend, ça se voit. Mais je dois vous faire part d'abord d'une surprise. Et François vous l'a dit, comment douter maintenant que le Bloc est de retour au Québec? Mais je suis surpris de ne pas voir mon adversaire du Conservative Party of Canada et mon adversaire du Liberal Party of Canada ce soir. Je pensais qu'elle allait être là dans la salle, tenter leur chance avec le Bloc, parce que dans le cas du premier, de celui du candidat conservateur, il a été candidat à l'investiture du PQ en 1994. Il s'est essayé à l'ADQ après. Il s'est essayé pour les conservateurs en 2007. Dans le cas de celui des libéraux, il a été candidat conservateur avant de s'essayer libéral la dernière fois puis de se réessayer libéral une autre fois, cette année. Alors, en tout cas, il y a un plat sur lequel les conservateurs, probablement le seul, sur lequel les conservateurs et les libéraux sont écolos, c'est sur le recyclage. Quand même, depuis l'annonce de ma candidature à l'investiture, j'ai eu beaucoup de soutien provenant du comté, mais provenant aussi de partout au Québec. Tant de concitoyens de partout qui m'ont écrit pour me dire « on partage ta vision », me dire « on partage ton expérience, on aime ton amour pour la région ». Il faut dire que c'est contagieux aussi. Moi, je dois dire, comme Eve-Marie vous en a parlé un peu, en 2007, c'est à Saint-Hyacinthe qu'a eu lieu mon premier congrès bloquiste, à titre de jeune militant dans le temps. J'avais 19 ans. En 2011, j'ai choisi, on se souvient, notre congrès, notre dernier congrès avant l'élection, en 2011, était à Saint-Hyacinthe aussi. J'avais choisi de mettre le congrès jeune au même moment, à titre de président. Donc, on avait choisi Saint-Hyacinthe là. Où Eve-Marie a failli se péter la gueule, en descendant de scène. Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviennent. Donc, en 2019, là, je choisis, encore une fois, Saint-Hyacinthe-Acton, pour porter votre voix dans ce Parlement étranger. Siège d'un État qui sape nos choix démocratiques au nom d'un régime constitutionnel qui nous a été imposé. Une circonscription que j'ai adoptée, que j'aime, où j'ai un pied à terre d'ailleurs depuis un an, et qui a une histoire passionnante aussi. Histoire passionnante. Les grands chefs d'État, que furent Honoré Mercier, que furent Daniel Johnson, dont la fidélité au Québec était inébranlable, ont eu l'honneur d'en représenter des parts à l'Assemblée nationale. Bien sûr, Yves-François Blanchet, ce soir. Saint-Hyacinthe aussi a été le lieu de prédilection à une autre époque. Le nom du groupe était Grande Noirceur. À l'époque de ce qu'on a appelé la Grande Noirceur, c'était un lieu important de la lutte contre le cléricalisme aussi. Il y a les mascoutins comme Tédé Bouchard, comme Yves Michaud, qui a tenu à m'écrire d'ailleurs pour saluer ma candidature, qui a tenu à me faire part de sa sympathie, je l'en remercie, qui ont été à l'avant-garde de ce combat-là. À l'époque, on s'inquiétait de l'importance trop grande d'une institution qui était composée de non-élus, qui était le clergé, sur les choix démocratiques, qui pouvait empiéter sur le pouvoir des élus. Aujourd'hui, c'est encore ça, mais c'est les multinationales qui le font, qui procèdent. Qui ont acquis un pouvoir abusif sur nos démocraties. Saint-Hyacinthe-Acton, mais aussi magnifique territoire, où se trouve Saint-Jude, village d'origine du drapeau québécois. Moi, je vais vous dire, là, comme indépendantiste, de me présenter, d'être candidat dans le comté où il y a le village d'origine du drapeau québécois. On a rencontré, d'ailleurs, il y a quelques semaines, la famille qui le possède. Moi, ça me va droit au cœur. Les mascoutins et mascoutaines, les Valois et les Valoises, tous les résidents finalement des municipalités avoisinantes partagent, je n'en doute pas, ma vision de ce qu'est le Québec et de ce qu'il devrait être. Et ça, c'est une nation distincte qui est préoccupée réellement pour l'environnement. Pas pour un oléoduc qui va traverser notre territoire ou pour le transport massif de pétrole par train.
Il n'y a rien qui a changé depuis Lac-Mégantic. On a même augmenté le transport de pétrole par train. Mais s'il y avait un accident similaire à Lac-Mégantic, ici au centre-ville de Saint-Hyacinthe, où les wagons-citernes passent quotidiennement, ça serait probablement... À Mégantic, c'était 47 morts. Ici, si on prend la densité du quartier, ça serait peut-être environ 600 morts minimum. Aucun profit ne peut justifier qu'on mette en péril notre monde comme ça. Je serai là pour dire haut et fort que la meilleure manière de bloquer le pétrole sale du Canada, c'est encore une frontière. Une nation qui considère raisonnable qu'un jour on puisse se baigner dans la rivière Yamaska, qui signifie en Abenaki, là où poussent les joncs, alors qu'elle est aujourd'hui le lit de toutes sortes de cochonneries. Moi, je rêve qu'on puisse se baigner dans la rivière Yamaska un jour. Une nation de gens qui travaillent fort et qui sont prêts à payer leur juste part pour que tous puissent bénéficier de chances égales et qui trouvent ainsi inacceptable que les plus grosses fortunes puissent trouver refuge dans les paradis fiscaux. Si Ottawa mettait autant d'énergie dans la lutte aux paradis fiscaux qu'Ottawa en met dans la critique de nos élus à Québec, tous les Québécois pourraient en bénéficier, assurément. Mais on a plus souvent l'impression, de toute façon, que l'impôt, finalement, c'est pour les gens ordinaires. Ce n'est pas pour les puissants de ce monde. D'ailleurs, un député libéral le disait dans la foulée des scandales des Paradise Papers, il n'y a pas, et je le cite textuellement, il n'y a pas un seul riche Canadien qui ne diversifie pas ses avoirs à l'étranger. Merci de l'honnêteté. Une nation aussi où le soutien de nos organismes communautaires est une priorité pour renforcer le tissu social de nos milieux. Une nation qui souhaite offrir une qualité de soins à nos aînés, investir dans nos familles et la jeunesse, mais surtout aller chercher des gains pour le Québec. Une nation tricotée serrée qui a toujours fait le choix de la solidarité, qui veut qu'on soit un modèle distinct, coopératif et social. Une nation qui cherche à faire ses propres choix, même si Ottawa cherche à les discréditer. J'en profite pour souligner d'ailleurs que je serai un allié de notre Assemblée nationale. Ce sera un plaisir pour moi et mes collègues du Bloc de travailler à rapatrier autant de fonds publics que se peut et d'investissements auxquels on a droit. Les députés à l'Assemblée nationale qui représentent le territoire de Saint-Hyacinthe-Acton à Québec peuvent compter sur mon entière collaboration. Je vous le dis, vous pouvez compter sur mon entière collaboration afin d'augmenter la marge de liberté de notre pays, le Québec. Nous gaspillons tant d'efforts à tenter de le faire à l'intérieur du Canada. Un mastodonte qui a été fondé historiquement par des élites coloniales dans le but de servir les intérêts financiers d'une minorité. Bien, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les exemples sont nombreux. Copinage avec les géants du numérique. Signature de traités de libre-échange pour le bien des multinationales. Banque d'infrastructures camouflant des projets de privatisation. Fragilisation du consommateur au profit des seules banques. Amour transpartisan pour le pétrole. La liste d'exemples est longue. On va avoir l'occasion d'y revenir en campagne électorale. On n'y manquera pas. Comptez sur moi et comptez sur nous. Mais surtout, on va faire la démonstration à l'ensemble de nos concitoyens que ce ne sont pas les programmes de gouvernement qui sont avant tout, qui sont en cause d'abord et avant tout. C'est le régime canadien qui est un obstacle à notre épanouissement national. Les politiques, finalement, et les programmes que ce régime-là va mettre en place, c'est finalement seulement les moyens de nous enfoncer encore plus dans notre statut, qui est celui d'une minorité. C'est notre seul destin au sein du Canada. Maintenant, je vous parlais de ce Canada pour les intérêts d'une minorité financière. J'ai en tête ces mots de John Maynard Keynes, probablement un des plus grands économistes du 20e siècle. Il nous disait « Toute la conduite de la vie a été transformée en parodie de cauchemar comptable. La même règle du calcul financier autodestructeur gouverne chaque marche de la vie. Nous détruisons la beauté de la campagne parce que les splendeurs inappropriées de la nature n'ont aucune valeur économique. Nous sommes capables de fermer le soleil et les étoiles parce qu'ils ne payent pas de dividendes. » Mais pour notre part, on va toujours faire passer l'être humain avant son droit au bonheur, à la santé, à la sécurité, à la justice, à respirer un air sain avant leur profit. Bravo!
peut dire que le système économique est devenu fou, d'ailleurs. Quand on regarde ça, là, il fait passer chacun d'entre nous, il nous traite chacun d'entre nous simplement comme un petit soldat de la concurrence mondiale. Tout est sujet à être écrasé sous ce rouleau compresseur. On pèse pas lourd dans les grandes ententes de libre-échange négociées en secret. On cherche en permanence à amplifier ce système-là, à l'étendre, à le radicaliser. Regardez le cas de l'agriculture. Il y avait une exemption au début. Il n'y en a plus. Dans les premiers traités de libre-échange après la Deuxième Guerre mondiale, on disait, on s'entend, là, c'est beaucoup trop important, c'est un domaine bien trop sensible, c'est les aliments qu'on a dans notre assiette, l'agriculture, on ne peut pas faire comme si c'était une usine d'automobile. C'est ce qu'on disait au début, exemption. Puis, ça n'a pas pris de temps, dans les années 90, quand on a créé l'Organisation mondiale du commerce, là, soudainement, on s'est empressé de mettre l'agriculture au centre du commerce mondial. D'inclure l'agriculture dans la grande nébuleuse du libre-échange mondial. Sans limite. Au Canada, dans les accords qui sont signés par le Canada, bilatéraux, multilatéraux, on a cette espèce de formule miracle-là. Ben d'abord, on promet toujours qu'on va conserver le système de la gestion neuf. Surtout quand ils sont en campagne électorale. Ils disent toujours, inquiétez-vous pas, on touchera pas à ça. Finalement, de traité en traité, la brèche dans la protection s'amplifie. De fois en fois. Ouais, mais c'est juste une petite brèche, inquiétez-vous pas. Ouais. Quand on les additionne, les petites brèches, là, ça finit par faire un papier clatter à bout de ligne. Puis c'est pas fini, là. Ça va pas s'arrêter, là. Mais là, après ça, les pouvoirs publics ils répondent avec une formule miracle. Qu'est-ce que c'est? Les compensations. Inquiétez-vous pas, on a beau scraper le système, il va y avoir des compensations. On va vous envoyer des chèques, qui d'ailleurs, précisons-le, c'est des compensations qui sont pour un temps limité, d'ailleurs, précisons-le. Donc, c'est pas une formule miracle non plus. Mais quand même, ça serait bien que nos gens les reçoivent. Mais on les attend toujours, dans le cas du dernier traité. On les attend toujours. Mettons que le verre de lait commence à être pas mal vide. Puis, pas avant les élections, apprenait-on cette semaine. Ça, on n'enverrait pas la couleur de ces compensations-là avant les élections. C'est vraiment, vraiment pas être gêné, là. Faut vraiment pas être gêné. C'est carrément une manière de dire « votez du bon bord » parce que sinon, pas sûr que le chèque va rentrer. C'est rire du monde. Mais je pense que ça envoie le message qu'ils vont savoir c'est quoi le bon bord dans un jour du vote. Mais néanmoins, peu importe que l'agriculture soit un domaine complexe, qui n'est pas à traiter à la légère, que le système de la gestion de l'offre ait empêché bien des crises de surproduction en plus de protéger nos producteurs, et que son abolition mènerait au monopole de multinationales qui finiraient, elles aussi, par hausser les prix des produits laitiers. Il faut aussi noter que le lait québécois, d'ailleurs, est d'une grande qualité. Comparativement à celui qui serait produit par des vaches qui seraient dopées aux hormones de croissance, et qui seraient traitées comme des machines à produire. Là, il existe ce qu'on appelle les fermes-usines un peu partout, là. Puis ça, c'est des vaches qui ne verront jamais une brindille d'herbe de toute leur vie. Et n'attendez rien de la part de la clique d'Ottawa là-dessus. Pensons notamment à la déclaration de Brian Mulroney. Vous connaissez Brian Mulroney? Brian Mulroney, premier ministre du Canada de 1984 à 1993, il conseille aujourd'hui le gouvernement Trudeau sur la question des relations canado-américaines. Monsieur Mulroney, donc, en août 2018, a déclaré que le moment était venu d'abolir la gestion de l'offre pour le lait, les œufs et la volaille. Mais pourquoi c'est intéressant de noter ça? Pas parce que c'est un ancien premier ministre. C'est qu'un conseiller gouvernemental, ce qu'est Brian Mulroney aujourd'hui, s'il va sur des tribunes publiques, s'il va faire des médias, c'est pas pour colporter des positions qui sont pas celles de son employeur du gouvernement. Quelque chose qui marche pas. S'il s'exprimait à titre d'ancien premier ministre, il disait « Bon, d'accord, je reviens, on a défendu ça dans le temps, maintenant on n'est plus sûr. » Mais il est conseiller gouvernemental. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est clair que la sortie de Brian Mulroney, c'est un test, un ballon d'essai, une manière d'évaluer la réaction populaire, de mettre la table, de préparer les esprits à ce qui s'en vient. M. Mulroney n'était que le messager. En ce qui me concerne, je vais toujours me tenir debout pour qu'on traite l'agriculture et les agriculteurs avec tout le respect qui s'impose. Saint-Hyacinthe Acton mérite une voix forte, franche et sans compromis. Le 21 octobre prochain, le Québec enverra un message clair. Je serai le candidat du peuple et le candidat de la démocratie contre les puissances de l'argent.
Celui du Québec contre la clique d'Ottawa. Peu importe l'enjeu, le Bloc sera là pour vous. Ce que le Québec veut, le Bloc le veut. Et le Bloc, il va gagner avec son peuple. Je vous remercie.